Hello les gonzes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui sera une vidéo haul spéciale vacances, spéciale été. Bref, j'ai commandé plein de petites robes d'été, de maillots de bain. Enfin franchement j'ai trop hâte d'ouvrir tout ça. Pour l'occasion du coup j'ai commandé chez Shein. Donc là j'ai reçu mon colis il y a quelques jours, donc j'avais trop hâte de filmer. Si jamais avant que j'oublie, je vous mets mon petit code promo qui est juste ici. Franchement voilà, déjà que c'est pas cher, avec le code promo c'est encore mieux. Écoutez, je pense qu'on va pas plus parler et on va directement ouvrir ce gros colis. Franchement j'ai trop hâte. Et on va commencer premièrement avec cette petite robe. Je vous avoue, je sais plus trop exactement comment elle rend. C'est une robe bien longue comme ça, un petit peu les épaules dénudées. Ou alors je pense qu'on peut les mettre aussi comme ça, avec le dos tout croisé comme ça. Je vais l'essayer tout de suite et puis on va voir ce que ça donne. En tout cas, franchement, je trouve que les motifs sont très jolis. Donc voilà, les couleurs j'adore. Donc écoutez, j'essaye et je vous retrouve tout de suite. Bon, et bien, première robe et premier coup de cœur. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Je la trouve magnifique, elle est trop jolie, toute ouverte comme ça dans le dos. Elle est trop bien taillée, vraiment pour le coup elle marque très bien la taille parce que vous pouvez en fait directement resserrer derrière avec un nœud. Au niveau du décolleté, je trouve ça vraiment trop joli, ça fait un petit peu un décolleté en cœur comme ça. Franchement je trouve ça trop joli. Au niveau de la longueur, franchement elle est longue mais pas trop, enfin, franchement trop efficace. Ça a une petite fente ici, donc franchement non, j'adore, trop jolie. On va enchaîner avec cette deuxième robe, donc ça je m'en souviens très bien, c'était un petit peu un dupe des robes de Zara. Un petit peu, vous savez, les robes chemises qu'ils font avec la petite ficelle, je pense que vous voyez de quoi je parle. Et là, franchement, je la trouvais trop jolie. Et sur le bas, elle était toute évasée comme ça. Enfin, franchement, trop jolie. Donc écoutez, je l'essaye et je vous retrouve tout de suite pour l'essayage. Et ben, écoutez les gonzes, j'adore. Je trouve que la petite robe est trop sympa. Franchement, c'est vraiment un très bon dupe de Zara. J'avais commandé une petite ceinture comme ça en paille et je pense que ça pourrait être beaucoup plus sympa que juste cette ficelle. Donc écoutez, je vais l'essayer avec. Alors du coup, je crois que c'est un petit peu un fail pour la ceinture. Franchement déjà vous voyez elle est hyper grande. Bon après vous voyez du coup que je la passe comme ça, mais franchement je trouve ça pas très joli. Autant là c'est de la qualité, autant là tout le tour c'est un petit peu en plastique, enfin, franchement ça fait vraiment pas quali. Et pour le coup j'en ai acheté une chez Pinky qui est très jolie. Et je crois que je l'ai payée même pas 9€. Et franchement je pense qu'avec cette robe ça ira très bien. Et par contre au niveau de la matière, je sais pas trop si vous pourrez bien voir, mais c'est en fait un petit peu chemise, un petit peu satinée. Enfin voilà, c'est pas la matière de Zara en tout cas. Alors ensuite un petit haut trop mini, un petit peu en broderie anglaise comme ça, juste adorable. Et avec du coup je vais essayer de trouver un bas. J'ai commandé une petite jupe longue à pois, franchement je la trouvais trop mini et je pense qu'avec ce petit haut ça peut être sympa, même si je pense que je la porterais plutôt avec soit une blouse ou même un petit débardeur blanc, vraiment tout simple. J'ai essayé l'ensemble et je vous retrouve juste après, mais franchement ça a l'air canon. Les gonzes, pour le coup là je suis un petit peu plus mitigée. Bon déjà le haut ça va pas, il est beaucoup trop petit, je sens que ça sort dans tous les sens, je suis carrément compressée dedans. Après en soi franchement comme vous pouvez voir la qualité était très belle, là c'était un petit peu tout en transparence, ici c'était bien opaque. Et puis le dos je crois qu'il était un petit peu en transparence. Juste le fait qu'il y ait une petite ouverture ici, franchement c'est très joli, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'elle fait un petit peu plage. Je pense que c'est peut-être la matière qui fait pas très quali. Là comme vous pouvez le voir c'est quand même un petit peu fin, après c'est pas du tout transparent, mais bon, vraiment j'attends vos avis en commentaire, je pense que ça va beaucoup m'aider. Ensuite ça j'avais trop hâte d'essayer parce que je voulais trop une jupe un petit peu longue, vous voyez je trouve que c'est trop joli avec des petites sandales et tout. Je la trouve vraiment belle parce qu'il y a un petit jeu de transparence en bas. Je l'essaye et puis je vous retrouve tout de suite. Je crois que j'aime pas, enfin en fait peut-être que j'ai pas l'habitude, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait mamie. Je pense que le haut ne va vraiment pas avec, hein. Donc voilà, faut vraiment imaginer avec un autre haut. Là, franchement vous voyez au niveau de la qualité elle est vraiment bien pour le coup, franchement j'ai rien à redire dessus. Pas de coup de cœur pour cette dupe encore une fois, j'attends vos avis en commentaire. Alors ensuite on va passer à une petite robe de soirée. Aussi j'ai vraiment craqué, elle était trop belle en tout cas sur le mannequin. Je trouve la couleur vraiment trop jolie pour l'été. Je l'essaye, je vous retrouve juste à... Bon du coup la voici portée, en vrai je vous avoue que je suis un petit peu déçue je crois, enfin elle est jolie hein. Franchement la couleur est très jolie, je sais pas, je la trouve vraiment courte et puis en fait je sais pas si j'arriverai à la mettre en fait, je sais pas trop à quelle occasion je peux mettre ça. Même ce dos nu comme ça franchement je trouve ça vraiment trop joli. C'est pas le coup de cœur, donc bon celle-ci je sais pas trop si je vais la garder. Alors ensuite robe suivante, j'ai pris une petite robe longue pour le coup qui est vraiment beaucoup plus classique, mais c'est que pour le travail je pense que c'est efficace et franchement je pense qu'elle peut être très jolie avec des petites sandales. J'essaye et puis je vous retrouve dans un instant, mais je pense qu'elle sera très jolie. Et celle-ci comme je m'en doutais, franchement elle est très jolie. Après je trouve qu'elle fait pas l'effet waouh, mais voilà franchement je la trouve très jolie. Vraiment même derrière toute simple, elle est juste un petit peu ouverte ici, mais franchement le décolleté est vraiment raisonnable. Deux petites fentes ici, mais franchement qu'on voit vraiment très légèrement, c'est vraiment juste quand on marche un petit peu. Au niveau de la longueur elle m'arrive juste aux chevilles et je fais 1m68. Bon alors ensuite je vais essayer un petit maillot de bain, franchement qui a l'air canon de chez canon. Bon par contre j'ai l'impression qu'il est transparent donc ça va pas du tout le faire, mais en
en fait, je l'ai pris parce qu'il avait des petits gling-gling dessous là, tout en strass. Franchement, je sais pas si vous voyez, mais je pense que sur la peau, ça va être canon. La culotte, en fait, c'est pareil. Il y a des petits strass comme ça, franchement. Il a l'air vraiment très joli, mais je sais pas, je le sens pas. Le fait que ce soit blanc comme ça, je sens que... soit ça va être transparent, soit ça va pas aller, bref. Pour info, les maillots, je les prends toujours en M. Et là, c'est que pour le coup, je crois que ça a l'air d'être plutôt cool pour les coques. Parce que généralement, moi, c'est vraiment trop petit. Et là, ça a l'air bien. Je l'essaye, je vous retrouve tout de suite en espérant que le résultat soit joli. Du coup, les gars, j'en ai essayé le maillot de bain. Et en vrai, franchement, je suis pas très très fan. J'essaie de vous le montrer le mieux possible. Je vous avoue, je suis pas très très à l'aise. Mais en gros, le voici porté. Les petits détails comme ça sont très jolis, mais je sais pas. Je pense que c'est vraiment un petit peu la coupe que j'aime pas trop. Parce que pour une photo, clairement, ça peut passer avec un petit peu l'effet. C'est super joli, mais clairement pour la plage j'aurais pas trop confiance en ce maillot de bain, et puis en plus je pense qu'il est vraiment transparent. Alors ensuite on va un petit peu plus s'habiller avec cette magnifique combi toute plissée sur le bas. Franchement elle a l'air trop jolie, donc écoutez, je l'essaye, il faut retrouver dans un instant, mais franchement elle a l'air vraiment calme. Voilà pour le coup les 12, j'adore, je suis trop contente, vraiment je vais la mettre cette petite combi parce qu'elle est trop efficace. On est hyper bien dedans, je sais pas si vous voyez, mais elle est tellement large, on est trop bien dedans. Elle est trop bien, même au niveau de la longueur, c'est parfait. J'ai juste rajouté cette ceinture, je pense que je rajouterai ouais, quand même une ceinture parce que je vais vous montrer sans. Et sans, je trouve que ça fait un peu bizarre. Mais sans, ça fait vraiment beaucoup moins cintré. Et une petite ceinture, ça rajoute un petit plus. Et même avec ma ceinture Yves Saint Laurent noir, franchement, ça peut être canon. Franchement, c'est un gros coup de cœur. Je l'aime beaucoup. En plus, je trouve qu'elle est vraiment très bien. Franchement, c'est très élégant. J'adore. Je suis trop contente. Ouais, donc clairement, là, vous pouvez être sûr que je vais la mettre. Franchement, je suis trop contente. On est trop bien dedans. Et vraiment, j'adore la forme. Donc, celle-ci, je recommande à 100%. Ensuite, j'ai recommandé cette robe. Alors, cette robe, je sais pas si vous vous en souvenez, je l'avais déjà commandée l'année dernière. Sauf qu'en fait, je l'avais offert à une copine. Je me suis dit que finalement, elle était trop belle, un petit peu volantée comme ça sur le bas. Donc écoutez, du coup, je me la suis reprise. Je vous retrouve dans une seconde pour l'avoir portée. Mais franchement, je sais que je vais pas être déçue. Ouais, écoutez, franchement, comme je m'en doutais, elle est vraiment trop jolie cette robe. Je la trouve vraiment trop sympa. Et le fait qu'il y a un petit peu des épaulettes au niveau des épaules, ça structure un petit peu. Enfin, franchement, elle est trop jolie, un petit peu resserrée à la taille. Franchement, j'aime beaucoup. Elle est trop belle, elle est trop sympa. Bon, après, juste au niveau de la longueur, je la trouve un petit peu courte. Mais bon, pire, je mettrai un petit short noir en dessous. Ça ira très bien. Ensuite, les gommes, il faut absolument que je vous parle d'une gamme que j'ai découverte sur TikTok. Qui est vendue en fait sur Shein. La gamme, je crois, ouais, Glow Mode, comme ça, de toute façon je mettrai tout en barre d'infos, qui font en fait des vêtements de sport, mais quand je vous dis dans une matière, mais incroyable, vraiment c'est un petit peu genre peau de pêche, je sais pas si vous voyez, mais d'une douceur incroyable. Normalement c'est censé super bien tailler, donc du coup, pour l'occasion, donc je me suis pris un petit ensemble, donc premièrement un petit legging, franchement trop sympa, un petit peu croisé comme ça sur le devant, franchement il a l'air magnifique. Et clairement, encore une fois, la qualité, je vous jure, j'ai rarement vu des affaires de sport de cette qualité. Juste pour aller avec, j'ai commandé une petite brassière, pareil, dans la même qualité. Franchement, elle a l'air pas du tout transparente, elle a l'air vraiment d'un très bon maintien. Puis pour aller avec le leggings, j'ai pris la petite veste, franchement, pareil, qui a l'air super cintrée. Trop belle, kaki pareil, et franchement la matière, je vous jure, incroyable. J'essaie ça et je vous retrouve dans un instant. Clairement je m'en doutais, j'ai un énorme coup de cœur. Je rigole pas, je crois que c'est vraiment les meilleurs vêtements de sport que j'ai achetés. Ils sont mais incroyables, je vous jure, je me sens mais tellement bien dedans. Le legging est magnifique, il est pas du tout transparent. J'ai même essayé de faire un petit squat. Franchement je peux vous dire qu'on voit rien du tout à travers, donc ça c'est trop cool. Même la brassière, le maintien est ouf. Enfin clairement là je peux aller faire un running, je peux vous dire qu'il y a rien qui bouge. Trop bien taillé, j'adore un petit peu l'effet croisé comme ça derrière, c'est trop sympa. La veste franchement pareil, elle a l'air canon, il y a des petites places pour les doigts ici. Et clairement l'ensemble de sport est magnifique. Enfin je suis désolée, mais un petit ensemble comme ça kaki, incroyable. Franchement je suis trop contente. Je peux bien sûr le monter jusqu'en haut. Il y a des petites poches ici sur le côté. Enfin franchement tout est bien pensé. J'avais pas du tout de couleur kaki comme ça, et je trouve ça hyper sympa. Alors ensuite les gonzes, je m'étais pris une petite paire de sandales, franchement qui sont très jolies. Je vous les montrerai portées. Elles sont vraiment toutes simples comme ça, un petit peu pailletées, rose gold un peu. Je les essaye et je vous montre tout de suite portées. Vous m'excuserez pour mes pieds, mais du coup voici les petites sandales portées. En vrai elles sont très mimi, très simples, donc écoutez, je valide. Du coup on arrive vraiment vers la fin les gonds, je vais essayer une dernière tenue qui était pour une copine. Et franchement ça a l'air canon, donc ça elle a pris un petit pantalon ample vert comme ça. La qualité pour le coup est pas ouf. Elle a pris un petit maillot de bain, et là pour le coup la matière ça m'intrigue et je pense qu'on est vraiment bien dedans. Elle a l'air d'être un petit peu une culotte un petit peu taille haute, franchement elle a l'air trop sympa, elle est pas trop jonclée derrière. Au niveau du haut c'est vraiment en fait un haut juste une manche. Je vous retrouve dans une seconde. Du coup voici la petite tenue portée.
porter à la base, c'était vraiment pas un ensemble, mais clairement là je trouve que comme ça c'est trop joli. Au niveau de la longueur, il est un petit peu long quand même, mais franchement ça passe, donc voilà. Au niveau de la taille, franchement le fait qu'il y ait un élastique, ça resserre bien, donc ça c'est plutôt cool. Bon, et après par contre moi au niveau du maillot de bain, il est vraiment trop petit pour moi, parce que c'est vrai que d'habitude je prends toujours du M et là c'est du S. Mais je le trouve vraiment très joli. Là, vous pouvez bien voir un petit peu la matière. Franchement, elle est vraiment très sympa. Bon, du coup, les gars, ce big haul spécial été est terminé. J'espère qu'il vous aura donné plein de petites idées. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait plaisir d'essayer ce petit colis avec vous. Écoutez, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais à tous d'énormes gros bisous.